De la peine à venir pour beaucoup parce que ce n'était pas tout à fait facile. C'était galère avec la course Jules Verne dans la ville d'Amiens. Alors, bravo à ceux qui ont bravé pour être là ce matin. C'était un véritable parcours. On n'avait pas prévu de faire de course, mais on les y a conduits. L'année scolaire est en train de tirer à sa fin. Et comme nous en avons l'habitude, ou nous avons plus l'habitude, nous faisons de ce culte notre journée d'église. Question de faire un peu le point de l'année et de se projeter dans l'année scolaire qui va venir à partir de septembre. J'ai donc choisi de rester dans le texte que nous propose le calendrier de lecture publique Parole pour tous. C'est l'évangile de Luc que Sophie venait de lire pour nous. Le chapitre 9, d'où est tiré notre passage de ce jour, aborde divers thèmes. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce chapitre 9. Les versets 53 à 52 à 62 qui nous concernent s'articulent autour de deux axes. Vous l'avez bien compris, ce sera notre texte de prédication. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas trouvé nécessaire de lire les autres textes du jour. Du verset 51 au verset 56, Jésus s'oppose à la proposition de ses disciples de détruire un groupe de Samaritains et condamne l'esprit mauvais qui les anime. Et du verset 57 au verset 62, Jésus aborde la question de la consécration des disciples. Tels seront donc les deux axes qui vont constituer notre prédication de ce jour. La première partie que nous avons annoncée donc concerne les versets 51 à 56. Et nous allons donc voir ce qui se passe dans ce passage. Le texte nous apprend que lorsque le temps où Jésus devait se retirer du monde commençait à approcher, il prend la résolution d'aller à Jérusalem. Et donc, il envoie des messagers devant lui pour se préparer quand même. Un lieu dans un groupe de Samaritains, un logement où il va certainement faire escale avant de continuer sa route. Curieusement, on ne le reçoit pas dans ce lieu-là. Tout simplement parce que, comme dit le texte, il allait à Jérusalem. Alors les disciples, et on nous précise bien, c'est Jacques et Jean. Ce nom nous rappelle quelque chose. Ce sont les fils de Zébédée, ceux qui avaient demandé d'être assis d'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus. Voilà. Donc, en tout cas, les exégètes et les commentateurs nous disent qu'ils sont probablement de la famille de Jésus, parce que les mamans seraient des cousines. Donc, quand Jésus voit cette attitude de ses deux disciples, qu'est-ce qu'il demande? Il demande que est-ce qu'il faut que nous commandions pour que le feu descende du ciel pour détruire ces gens. Jésus est outré et sidéré par cette demande. Il se tourne vers eux et le mot réprimandé est un mot fort parce qu'on l'utilise généralement lorsqu'il est question de chasser les démons. On dit Jésus réprimande et pitié. Donc il leur parle avec une dureté comme s'il s'adressait aux démons. Et d'ailleurs, Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé pour dire que cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Comment vous pouvez demander de descendre le feu pour détruire? Tout simplement parce qu'on ne vous a pas appris. Et Jésus conclut cette partie en disant, le Fils de l'homme n'est pas venu. Il est venu non pas pour perdre les âmes ou les hommes, mais pour les sauver. Et il leur demande d'aller ailleurs. Dans cette partie, première partie, frères et sœurs, ce qui est marquant, c'est surtout cette demande des disciples. Ils sont face à une contrariété, les gens qui ne les accueillent pas. Et tout ce qui, parce qu'ils sont avec Jésus, ils se disent qu'on peut brûler cette ville. Quelle pensée, mon Dieu! Est-ce que c'est parce que quelqu'un ne partage pas notre opinion? Est-ce que c'est parce que quelqu'un ne pense pas comme nous qu'il faut automatiquement demander le feu de Dieu, le feu du ciel pour nous détruire? Jésus s'oppose à ça. Et j'insiste là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui disent que la religion, j'utilise le mot, vous allez comprendre. La religion, dans la
raison à cela que Jésus n'a envoyé personne en guerre de cette façon. Parce que la parole de Jésus nous dit qu'il n'est pas venu faire les armes des hommes, il est venu les sauver. Jésus s'oppose à toute forme de violence. Jésus s'oppose à tout ce qui peut aller dans le sens d'arracher la vie à quelqu'un. Jésus est le Dieu qui est venu donner la vie. C'est d'ailleurs pourquoi il ressuscite dans les évangiles, nous voyons de nombreuses personnes qui ont été ressuscitées par l'action de Jésus. Jésus s'oppose au fait de détruire parce qu'on n'est pas là. Quand quelqu'un arrive dans notre communauté, ce n'est pas parce qu'il ne pense pas comme nous qu'on va simplement dire qu'il faut le détruire, il faut le casser, il faut mettre les faux de balade sur son chemin. On n'est pas obligé de penser la même chose. On peut même encore choisir de changer de chemin. Jésus, c'est ce qu'il a fait, il a dit, allons dans un autre monde. Allons ailleurs. Si on ne nous accueille pas ici, allons ailleurs. Si les gens trouvent que nous ne sommes pas à notre place, ou alors ils ne veulent même pas nous entendre, au lieu d'entrer en guerre, allons ailleurs. Changeons de direction. Si je veux faire la paix avec quelqu'un, cette personne n'accepte pas la paix, je change de direction. Je vais ailleurs. Alors, frères et sœurs, arrêtons de penser, de dire ou de croire que le Dieu que nous servons est un Dieu de guerre. Non, c'est un Dieu qui vient vous sauver. Notre message en tant que chrétien, c'est d'aider les gens à entrer dans cette relation avec Jésus. Alors mon frère et ma soeur, si on t'a rejeté quelque part, sache que Jésus a été rejeté aussi. Mais il n'a pas fait la guerre. De notre texte, ce sont les versets 57 à 62. Et nous y voyons représenter trois types de personnes qui veulent suivre Jésus. La première prend l'initiative de dire à Jésus, pendant qu'il était en chemin, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est lui qui prend l'initiative d'aller vers Jésus et lui dit, je te suis. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. J'ai relu ce passage parce que parfois, on a l'impression que Jésus lui dit, ne me suis pas. Non, mais Jésus n'a pas dit, ne me suis pas. Mais Jésus lui dit, si tu veux me suivre, il faut le faire en connaissance de ce qui t'attend. Jésus ne dit pas, ne viens pas. Mais est-ce que tu es conscient? Si tu entres, tu dis, je veux suivre Jésus, pour que Jésus fasse de toi, te prépare même pour te reposer, ah Jésus, c'est le Fils de Dieu, je serai tranquille, tout ça comme ça. Jésus te dit, attention, tu te trompes. Parce que le suivre, c'est prendre un risque. Le risque de la foi, c'est de ça qu'il s'agit. Être chrétien, c'est prendre un risque, frères et sœurs. C'est aujourd'hui où on est content de dire, je suis chrétien. On est plutôt content parce qu'avec la laïcité, les gens se cachent. On est rentré comme avant. Parce qu'avant, on ne fallait pas dire qu'on était chrétien. D'ailleurs, lorsqu'on a donné l'étiquette de chrétien aux disciples, c'était dans l'acte des apôtres, au chapitre 11. On les appelle pour la première fois chrétiens. Ce n'était pas des éloges. C'est parce qu'on avait trouvé une attitude particulière à ces qui sortait de l'entendement humain, autant pour moi, qu'on les a appelés chrétiens. Aujourd'hui, on dit qu'on est chrétien parce qu'on n'est pas musulman, parce qu'on n'est pas juif. Ce n'est plus par rapport à un témoignage particulier. Alors Jésus veut faire comprendre à celui qui dit, je vais te suivre, que si tu décides de me suivre, sache que ton choix a des conséquences. Ton choix a des conséquences. Parce que tu n'auras pas pour reposer ta tête. Est-ce que tu es prêt? Jésus lui présente la situation. À lui de choisir de suivre ou de ne pas le faire. La deuxième personne, frères et sœurs, est invitée curieusement par Jésus lui-même. Il dit, suis-moi. Pourquoi Jésus choisit cette personne-là, une deuxième personne? Nous n'allons pas spéculer là-dessus, mais c'est lui qui lui dit suis-moi. Un peu comme Jésus pourrait te dire ce matin, suis-moi.
Alors qu'est-ce que celui-là dit? Seigneur, permets-moi d'abord d'aller entrer, de dire mon père. Il est préoccupé par le mort, par son père qui est, par le corps de son père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enseigner leur mort et toi, va annoncer leur mort. Laisse les morts enseigner leur mort. Je sais que ce passage est souvent contrarié beaucoup de gens parce qu'on se dit, mais comment Jésus peut dire à quelqu'un de ne pas enterrer son père? C'est pas normal ça. Parce que nous, vraiment, quand tu perds, quand tu vois la vie, est-ce que Jésus voulait dire à cet homme de ne pas s'occuper de ses parents? Pour vous qui avez l'habitude de lire l'évangile, vous vous rappelez que Jésus, dans un passage de l'évangile, ça peut être dans Marc ou Jean, où il reprochait aux religieux juifs de pratiquer la tradition des hommes et non pas celle de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il se disait, je devais me donner l'offrande, je devais aider mon papa ou ma maman, mais l'argent là, j'ai pu le donner à l'église comme offrande. Et là, les gens du temple disaient, ah, mais ça c'est une bonne chose. Donc, laisse, ne t'occupe plus de tes parents. Jésus qui critique le fait qu'on ne s'occupe pas de ses parents, qui reproche à ces gens de détourner les gens de leur devoir d'enfant, ne peut pas être celui qui dit à quelqu'un de ne pas s'occuper de son père. Autrement dit, lorsque tu as fait ce que tu as à faire pour ton père vivant, pour tes parents vivants, lorsqu'il meurt, on ne peut que se dire, il y a des gens qui ne font rien pour leurs parents, rien du tout, rien. Ils attendent qu'ils meurent, ils viennent discuter l'héritage, ils viennent discuter telle ou telle chose. C'est ça qui les intéresse. Parfois même on demande aux parents, mais qu'est-ce que tu attends? Mais dégage pour qu'on prenne l'héritage. Parfois on ne tire même pas les oreilles pour mettre dans une maison de retraite parce qu'on veut prendre la maison, la vendre et peut-être j'ai vécu des cas comme ça. Des gens précipitent. Il y en a même. Donc ce pays ne pratique pas l'euthanasie. Mais j'ai vu des témoignages des ingénieurs qui ont vécu comme dans d'autres pays. Les enfants faisaient pression sur le père pour qu'il le signe pour être euthanasie, pour libérer, débarrasser le plancher, pour qu'il s'occupe de l'héritage. C'est pas ce que Jésus conseille de faire. Quand Jésus dit de laisser les morts ensevelir leurs morts, vous savez, il y a beaucoup de choses mortes dans nos mains que nous tenons précieusement. Beaucoup de choses qui ne servent à rien. Beaucoup de choses qui ont perdu vie, qui ont perdu sens. Oui, il faut laisser ces choses à ceux qui s'en occupent. Il y a des gens qui sont des spécialistes des choses mortes, des discussions vaines, des discussions qui n'ont pas de sens. Laissez. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Parce que tu as appelé pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu donne vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est d'ailleurs pourquoi lui il ressuscite et il ressuscite ceux qui sont morts. Oui, Jésus veut donner vie à tout ce qui est mort en nous. Et il nous demande de laisser tout ce qui est mort aux morts, à ceux qui n'ont pas l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu vivifie. L'esprit de Dieu fait vivre. Laissez les morts en se venir de mort. Cela n'a rien à voir avec l'hommage que nous pouvons rendre à un parent décédé. La troisième personne se propose de suivre Jésus à une condition. La première personne dit, je veux te suivre. Jésus lui dit ce qu'il dit. Je n'ai pas de lieu pour me poser. La deuxième personne, c'est Jésus qui l'a mis. Il lui dit, attends, il va enseigner mon père. La troisième personne vient directement avec sa condition. Je veux te suivre, mais donne-moi d'abord l'occasion d'aller dire au revoir aux gens de ma maison, à mes frères et mes soeurs. Un peu comme si il allait en bas, bon, je suis venu vous dire que je vais faire un tour. Le Seigneur, je m'en vais un peu, je vais prendre de l'aise, je vais voir comment ça se passe avec lui. Vous connaissez Jésus, non? C'est quelqu'un qui fait des choses assez particulières, mais vraiment, il faut que, voilà, je vais aller voir avec lui. Jésus lui dit, quiconque met la main à la chaleur, il regarde en arrière et va prendre le royaume de Dieu. Mettre la main à la chaleur, c'est choisir de suivre Jésus, d'aller avec lui, là où il va sur les sentiers, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais quand on a mis la main, on ne regarde plus en arrière. Parce que si on regarde en arrière, comment est-ce qu'on va
La charrue, vous connaissez la charrue? On dit on ne met pas la charrue avant les bœufs. On met la charrue, n'est-ce pas, derrière les bœufs. Et quand on regarde devant, c'est pour voir où comment ça marche. Parce qu'il faut diriger. Or, si vous mettez la main à la charrue, vous regardez à l'arrière, vous n'allez pas voir ce qui est en train de se passer. Parce que c'est pour labourer le terrain. Vous êtes en train de travailler. Mais vous mettez la main à la charrue, vous regardez à l'arrière. Ce que vous n'êtes pas un bon cultivateur. Si vous mettez la main à la charrue et vous regardez en arrière, vous n'êtes pas propre au royaume de Dieu. Frères et sœurs, la question qui nous est posée aujourd'hui, en tant que chrétien, que nous situons, quel type de chrétien es-tu? Es-tu celui qui suit Jésus pour avoir un endroit où reposer la tête? Es-tu celui qui dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller en dépenser, venir mes morts? Es-tu celui qui dit à Jésus, tu vas aller dire au revoir aux autres? C'est très important. C'est très important en tant que chrétien de se poser cette question. Ces questions. Comment est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je suis Jésus comme lui, il veut que je le suis? J'entends parfois les gens dire, je vais aider le pasteur, je vais faire telle chose. Non, mes amis. Je vous assure, être chrétien et engagé dans la foi, dans une paroisse, ce n'est pas aider le pasteur. Le pasteur, ce n'est pas de lui dont il est question. Celui qui vous a appelé s'appelle Jésus. Faites l'œuvre que Dieu vous a dit de faire. Et c'est le pasteur. Le pasteur est un canal. Le pasteur est quelqu'un qui vient et qui passe. Mais celui qui restera avec vous, celui qui vous interrogera sur votre foi, c'est Jésus. Alors, comment est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Dans cette paroisse, en tant que chrétien, comment tu fais l'œuvre de Dieu? Où est-ce que tu te situes dans l'œuvre que tu as compris? Quand tu regardes l'état de ta paroisse, comment est-ce que les activités qui devaient être menées pour annoncer l'évangile, jusqu'où es-tu impliqué dans ça? Qu'est-ce que tu donnes? Le minimum? Le maximum ou alors le juste milieu? Parce que comme disent certains, ce n'est pas la maison de mon père. Mais si Dieu est ton père, ses affaires sont tes affaires. Comment agis-tu dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir? Il ne faut pas que le pasteur dise qu'il était trop absent. Il ne faut pas que le pasteur pense que. Il ne faut pas que le pasteur. Il n'est pas question du pasteur. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Avant le pasteur, l'œuvre a existé. Après ce pasteur, l'œuvre existera. Et même les communautés vivent sans pasteur. Dans notre région, il y a combien d'églises qui n'ont pas de pasteur? Alors, si les gens venaient faire l'œuvre pour le pasteur, ça n'existerait plus. N'est-ce pas, dans cette communauté, on avait 5 ans sans pasteur avant que je n'arrive. Mais il y en avait qui portaient. Alors, comment toi tu vois l'œuvre de Dieu dans cette paroisse, puisque nous sommes en journée d'église? Comment tu vois la chose? Comment peux-tu t'investir pour que la parole de Dieu soit proclamée? Nous avons la grâce d'avoir ce temple en pleine ville d'Amiens. Quel chrétien es-tu? Comment vois-tu ton ministère en tant que chrétien, en tant que racheté de Dieu? Comment tu vois ça? Il faut y réfléchir, frères. Réfléchissons-y. Sinon, le Seigneur va nous poser la question. Est-ce que nous avons mis la main à la charrue et nous avons commencé à regarder la manière? Est-ce que nous avons dit qu'il fallait d'abord aller en terre, ensevelir son père, ou dire au revoir, ou chercher un endroit où reposer la tête? La parole de Dieu dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire pour que son nom rayonne, pour que le royaume de Dieu soit proclamé? Non seulement dans cette paroisse, mais au loin. Cette question nous est posée aujourd'hui. J'espère que nous aurons le temps d'y réfléchir et d'y répondre. C'est valable pour nous à Amiens, c'est valable pour ceux qui nous suivent à distance ou qui suivront ce culte après. La question est posée, comment toi te situes-tu au service de Dieu? Quel est ton engagement? Quel genre de discipline es-tu?